faire juste une courte petite vidéo pour juste se rappeler que si on souffre aujourd'hui, c'est que il y a un problème. Nous avons créé la souffrance. Et la souffrance, elle est très simple à comprendre si nous voyons ce que c'est la souffrance. Mais bien souvent, prisonniers de la souffrance, nous ne pouvons plus réfléchir, nous ne sommes plus capables de visionner, de percevoir ce qui se fait. Donc on est prisonnier, on est dans un chamboulement de l'action de souffrir. L'action de souffrir, c'est justement tout ce processus qui fait que l'esprit est ankylosé, l'esprit est prisonnier d'un mouvement qui va à la dégénérescence de l'esprit. Et pourquoi nous souffrons ? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans ce monde, tout va de changement en changement et rien ne reste, ne résiste au changement. Tout change, les choses changent, les émotions changent, les pays changent, les intentions changent, les émotions changent et les idées changent. Il n'y a rien qui est statique. Tout est changement. Et dans ces changements, nous avons peur de perdre ce que nous avons conclu, ce que nous avons acquis. Nous avons acquis une certaine connaissance de comment les choses devraient être pour être en sécurité. Donc, nous nous habituons au train-train, au petit mode de vie que nous avons acquis. Et comme tout ça ne peut pas être permanent, eh bien, il y a à ce moment où tout se collapse, tout se désagrège, eh bien, nous souffrons de ne plus pouvoir être dans cet état d'esprit où il y avait cette sécurité qui nous réconfortait tant. Donc, la souffrance, c'est bien là un phénomène qui appartient à l'ego, parce que c'est l'ego qui veut exister à travers ce qu'il amasse, ce qu'il a, l'image de soi qu'on se fait. C'est justement un phénomène qui appartient au centre d'intérêt de chacun d'entre nous qui veut exister à travers les choses qu'on a. Donc, qu'est-ce qui se blesse au moment où on doit laisser passer ces choses? Eh bien, c'est l'image que nous avons pu concevoir de nous-mêmes. Elle s'effrite. Et c'est ça la souffrance. La souffrance, c'est de ne plus pouvoir être en sécurité à travers l'image que je me prône dans la vie. C'est-à-dire que tout ce que je me suis acquis, en fait, comme plaisir, comme réconfort, à travers le rire de quelqu'un, à travers l'affection de quelqu'un, tout ça, c'est quelque chose que j'ai acquis et j'ai gardé ça comme un trophée. Et je fais toujours en sorte que je viens toujours dans cette situation pour pouvoir encore avoir de cette manne, en fait, qui me réconforte, qui me donne un sens à ma vie. Et tout ça, je m'attache à ça. Je m'attache à tout. Je m'attache à mon argent, mon chien, ma maison, et ma femme. Je m'attache parce que tout ça, ça m'apporte du plaisir. Et ce plaisir est justement n'est pas constant, il est éphémère. Et comme il est éphémère, eh bien c'est là qu'il y a le déchirement entre ce que je suis devenu par rapport à tous ces plaisirs et ce que je suis vraiment. Il y a un déchirement entre l'être qui est et l'être qui aimerait être. Et c'est cela, souffrir. Et donc, ne plus souffrir, ça voudrait tout simplement dire de ne plus être attaché à l'image que l'on se fait de soi. À l'image, parce que cette image ne peut pas être quelque chose qui existe dans la réalité. Elle n'existe pas. Donc, tôt ou tard, si tu t'attaches à cette image que tu te fais, eh bien, tu auras de la souffrance parce que tu vas la perdre. Et on perd tout. On perd tout dans la vie.
On perd. Déjà, on perdra la vie un jour parce que on arrivera devant la tombe et il faudra bien accepter cela. Et nous perdons aussi beaucoup d'autres choses. Nous perdons l'amour des autres, nous perdons l'enfant que nous aimons, nous perdons, nous passons toute une vie à perdre des choses. Et ça, c'est ce que la vie, elle est vraiment dans son essence. Elle nous apprend à toujours renoncer aux choses qu'on a acquises pour pouvoir en fait naître de nouveau à quelque chose de bien plus beau. Et quand il y a cette résistance, il y a justement c'est ce qu'on appelle nous la souffrance, c'est la résistance de ne pas aller avec la vie vers quelque chose qui va nous être émerveillant. On va s'émerveiller devant la vie qui va nous donner la naissance de quelque chose de neuf à chaque instant. Et cela se passe dans chaque instant, dans tous les instants de la vie. Il y a cette émergence de la beauté de ce que la vie propose, mais il faut savoir abandonner ce que nous avons acquis de la vie. Donc, tout acquis, tout train-train, toute habitude que l'on s'est donnée dans ce monde est cause de nos souffrances. On peut le voir dans notre société combien on s'attache aux choses, à notre travail, à l'argent que j'aurais pu avoir, toutes les idées que je me fais sur des choses, et je suis dans l'attente, et le désir que je me fais pour avoir quelque chose qui va m'être cher. Et donc je poursuis ça, et je deviens même esclave de ce que je poursuis. Et quand j'ai la chose, et j'ai tellement peur de le perdre, donc, mais tôt ou tard, on va le perdre. Tôt ou tard, il faudra le perdre, il faudra l'abandonner. Parce que ce n'est pas quelque chose déjà que tu emmènes avec toi dans la tombe. Il faudra l'abandonner. Et tu vois, c'est notre monde, il est comme ça. C'est que tout le monde s'attache à leur plaisir pour ne pas manquer de ce plaisir. Mais pourquoi nous sommes toujours dans l'attente de ce plaisir? Pourquoi nous ne voulons pas laisser ce plaisir être, laisser ce plaisir où il est et ne pas s'attacher au plaisir, prendre jouissance du plaisir, mais ne pas s'attacher. C'est la chose peut-être un paradoxe, parce que tout ce que nous faisons pour avoir la joie, tu vois, c'est constamment de nous réconforter de la joie qu'on n'a pas finalement. Donc, c'est un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux que nous avons fait exister parce que nous souffrons et quand nous souffrons, nous n'avons plus la joie. Donc nous voulons la joie encore et la joie que nous avons, nous ne trouvons pas, crée la souffrance et ainsi de suite. Et ça c'est éternellement comme ça. Alors, peut-être qu'à ce moment-là, tout ce qu'on cherche n'est pas nécessaire. Et c'est là où on dira que on peut être libre de la souffrance. Parce que si tu comprends que tout ça n'est pas nécessaire, de chercher ce plaisir éphémère et de s'attacher au plaisir éphémère, et quand on s'arrête de le faire, ben il y a la liberté de la souffrance, on se met sur le dos en courant après tous nos désirs et en le faisant exister. Voilà notre grand problème à nous, les humains. On veut faire exister dans ce plaisir un état pérenne, un état de sécurité qu'on croit pouvoir le garder. Et si on n'a pas cet état, eh bien, on est malheureux. Donc cet état n'est pas nécessaire. Parce que cet état, justement, elle est le cercle vicieux d'une vie d'attente et de bataille pour pouvoir ne pas souffrir. La souffrance, elle sera là si on s'attache.
si on veut quelque chose. Le vouloir, c'est le moteur de l'ego. L'ego, c'est de vouloir quelque chose. Donc, si on sait comprendre que l'ego est l'ennemi de toi-même, ce que tu es est ennemi de toi-même, ben, tu ne souffriras plus.